Alors, Volkswagen va dévoiler un concept préfigurant l'ID2. Alors, c'est mercredi 15 mars, donc mercredi qui arrive, à 18h20, précisément. La marque a indiqué qu'il sera question de sa vision pour le futur et de son nouveau design, avec un slogan Plus avenir pour vous. Un compte à rebours qui commence d'ailleurs à 4 et s'arrête à 2. Volkswagen semble donc mettre en avant ce chiffre. Il n'en faut guère plus pour se dire qu'il va être question de l'ID2. Toutefois, c'est un concept annonciateur qu'on devra découvrir. Donc ce ne sera pas la vraie voiture, quoi. Un autre élément du teaser attire l'attention, le mot dièse Volkswagen for the People, ce serait donc le grand retour de la voiture du peuple. Mais cette fois en version 100% électrique, l'ID2 devrait donc avoir pour mission de démocratiser l'accès aux véhicules branchés chez Volkswagen avec un prix de départ autour de 25 000 euros. On a toutefois que cette mission semblait à l'origine dévolue à l'ID3, lorsque Volkswagen avait présenté en 2016 le concept préfigurant ce modèle. Il l'avait placé sur une image à côté de la première Coccinelle et de la première Golf. Le positionnement pris du modèle de série, pas aidé en plus par l'envolée des coûts, s'est éloigné de cet objectif. Oui, c'est vrai qu'elle n'est pas donnée l'ID3 quand même, hein. C'est loin d'être la voiture du peuple pour le coup. L'ID2 pourrait donc remettre les pendules à l'heure. Donc c'est mercredi 18h20, est-ce que je ferai un live pour l'occasion, à voir. Pourquoi pas, ça peut se négocier. Bon par contre j'espère que ça va pas durer 3 heures hein, comme l'Investor Day, hein. C'est bon. Hein. Bon, Volkswagen au moins ils vont présenter une nouvelle voiture, merci. Enfin un nouveau concept. Pas vraiment la ID2, mais bon. Écoutez, on verra bien. Je pense faire un live du coup. Allez, ciao.